Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Factory Town. Donc, comme promis, aujourd'hui, on va s'attaquer à faire une ferme, donc une ferme de carottes, je pense, ou de patates, c'est égal, on verra ce qui nous tombera sur la main en premier, mais c'est ce que l'on va faire maintenant. Donc, pour faire une ferme, il nous faut une personne, 20 de pierre et des planches, donc on va en faire une par ici. Voilà, j'aimerais juste pouvoir te tourner. Voilà, avec la sortie, je vais la faire de ce côté, hein. Et ce qu'on va faire, c'est que la dernière fois, on a fait des pâturages. Donc, les pâturages, pourquoi on les a fait? Tout simplement, attendez voir, je vais juste mettre une deuxième personne qui va nous récupérer la laine pour la porter. Parce que ça fait un peu bouchon. C'est pas ça que j'aurais dû mettre un chariot. Bref, je vais mettre un chariot pour que ça avance. En gros, on va faire une ferme et donc on va faire la ferme et je disais qu'on avait fait le pâturage avec production de laine. J'ai décidé de faire ceci, pourquoi? Parce que déjà un, ça va nous permettre de faire de la nourriture, de l'engrais, et il nous faut de l'engrais pour faire des tuiles où on va pouvoir planter nos éléments. Alors les tuiles, ça c'est quoi? C'est vous venez ici dans agriculture minage et vous voyez que tuiles de ferme, donc ça vous coûte 10 pièces jaunes et 2 engrais. Vous voyez qu'il y a une couleur jaune qui se met autour du bâtiment, pardon, et ceci donc en gros est la zone dans laquelle votre ferme peut miner. Donc je vais en placer un ici. Donc on va faire simplement un truc tout petit. Ah, donc là on a fini une recherche. Donc les logistiques élémentaires ont été débloquées. Donc on va faire comme ceci. Et je vais essayer de voir si ça fonctionne toujours. Non, ça va pas fonctionner ici. Ce sera pas possible. Il faut que je sois plus bas. Donc, on va faire une grande ferme. Hein. Ben, il me manque de l'engrais. Alors, on va juste un tout petit peu attendre. Est-ce qu'ils sont en train d'amener de l'engrais ou pas du tout? Là, il nous amène un élément d'engrais. Comme ça, on va pouvoir faire la ferme entière. Ok, donc là, on a notre première ferme qui a été fabriquée, mais on ne cultive rien pour l'instant. Hein. Donc, on pourrait faire du blé, on pourrait faire de l'herbe, ça c'est nouveau. Du sucre, on pourrait faire des baies, on pourrait faire carottes, pommes de terre, tomates, coton. On pourrait faire plein de choses. Mais nous, ce qui va nous intéresser, en gros, c'est de venir essayer de faire un peu des éléments qui viennent ici dedans. Donc vous voyez que par exemple, les baies seraient très intéressants. En fait, on va essayer de faire des baies, ça va être beaucoup plus intéressant parce que là, j'ai carottes, pommes de terre et vous voyez que les baies au moins se vendent 2 pièces jaunes. Donc on va juste essayer de voir si on peut faire des baies. Alors, pour faire les baies, qu'est-ce qu'il nous faut? On va dans agriculture, minage et on va aller voir baies, ça nous coûte 20 et on va pouvoir mettre des plants de baies sur nos tuiles de ferme. À ce moment-là, ça va nous produire des baies en quantité qui pourront être tout simplement envoyées en direction de notre marché et ceux-ci pourront être vendus. Alors, tout simplement, si on fait ceci, donc là, ça, on n'en a plus besoin. On va venir ici dedans, on va dire travailleur, tu vas prendre les baies. Donc vous voyez, on a 33 éléments et ça va nous produire, dès que ceux-ci seront à maturité, ceux-ci vont nous produire donc des baies et pourront être récoltés et amenés en direction de notre marché. Donc on va faire trois, je pense qu'il nous faudra trois bons chariots pour faire l'aller-retour. Donc on va leur dire de se préparer pour faire l'aller-retour. Donc au début ça va être un peu le bordel parce que
Dès que notre premier élément sera en croissance, ils vont récupérer un et ils vont directement partir, mais c'est pas grave. Le temps qu'ils fassent l'aller-retour, il sera produit bien assez pour que ça puisse tourner. Puis de toute façon, ils ne seront pas toujours tous en même temps dans la zone. Donc ce sera parfait. Donc là, on va faire des baies. Donc ok, là il y en a un qui a récupéré. Donc vous voyez que ça prend quand même 2 secondes à chaque fois pour récupérer un élément. Donc ça, c'est toujours bien à retenir. Vous voyez qu'ils vont partir et ils vont aller déverser ça ici dedans. En attendant, ce qui est bien, c'est que ben, ça produit 10. On va juste essayer d'en retenir un tout petit peu pour que ils soient un tout petit peu décalés pour que ils puissent facilement faire l'aller-retour, toujours tous complets. Hein. Voilà. Je pense que là, en fait, dès qu'ils auront touché, voilà, je le fais partir. Et vous voyez, eux, ils reviennent à plein. Et le temps que lui vienne, il va aussi arriver à plein, en fait. Et là, on va gagner. Bah, ça va nous rajouter ici au niveau des baies de plus 2. Donc, ce sera toujours ça de prix et d'intéressant. Hop. Hop. Ça vient, ça dépose. Ça continue d'augmenter. Alors, on est à peu près à 2. Je pense qu'on va plutôt taper le 1 le plus souvent, mais au moins l'avantage c'est que ça nous rapporte de nouveau quelques petites pièces. Alors on pourrait faire ça avec des glissières, hein, en fait. Ce serait clairement faisable. Mais je pense pas que c'est le but. Le but sera par la suite de faire avec des trains. L'avantage, si on le fait avec une glissière, le problème c'est que on va. Moi, on pourrait faire avec une glissière, hein. Comme ça, vous voyez. Bon, ce qui est chiant, c'est que ça bloque un peu les éléments. J'ai vu qu'il y avait un nouvel élément au niveau des chemins. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Bloc logique barrière. Peut bloquer le mouvement du chemin. Ok. Mais en fait, c'est pas un nouvel élément, c'est juste que je l'ai jamais utilisé. Oh, on s'en sort pas trop mal en fait, encore avec nos chariots. Je pense que c'est clairement mieux d'être avec des chariots que d'être avec la glissière hein, pour l'instant. Surtout que dès que nos éléments sont pleins, c'est le bordel parce que ça, ici, ils vont se stocker. On est même presque à 3, hein. Ok, donc là j'ai encore un chariot si jamais j'en ai besoin. Ok, on va checker au niveau recherche. On peut, si logistique intermédiaire, c'est 3 papiers, mais c'est 2 du rouge, donc on va pas faire parce que on n'a clairement pas de rouge. Alors, notre chariot qui est ici, tu vas nous prendre tes fameuses planches, tu vas nous les ramener ici maintenant qu'on doit en avoir en quantité en plus. Donc, tu vas nous faire les allers-retours, c'est gentil. Et vous voyez qu'au niveau du bois, on a déjà bien diminué, hein. On a déjà bien creusé tout ce qu'il y avait. Donc, on va pouvoir faire la même chose avec le bois. En gros, normalement, je dois avoir le bâtiment forestier qui doit être par ici. Donc, maison de forestier. Donc, je vais vous montrer. Il n'y a pas une autre zone où je suis un peu mieux. On va la mettre là quand même. Donc, on va la déposer et toute la zone où il y a du bois, donc ça va être récupéré. Ce qui est embêtant, c'est que gagner en vendant des marchandises au marché et au. Ce qui est embêtant, c'est qu'en gros, ça nous coûte une pièce de jaune pour un bois, en gros. Ça veut dire que. Il faut se méfier de bien gagner son argent facilement pour pouvoir assurer le ramassage du bois. Hein. Donc ici, il faut avoir pas mal de choses.
Je suis en train de regarder si on ne veut pas faire, par exemple, du... Est-ce qu'on a la cuisinière déjà? Bâtiment, scierie, atelier, tailleur, maison, ferme, puits, caisse, grange. Non. La cuisine, on l'a pas encore, donc c'est-à-dire on ne peut pas encore cuire les éléments. Par contre, ce que l'on pourrait faire, et ce qui pourrait être, je pense, intéressant, donc là, on a un pâturage. Hein, on peut améliorer notre base principale. Bon, allez, on va améliorer. Et nouvelle recherche di disponible, métallurgie. Ok, donc ça, on va voir si on peut la faire. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quand même 2 pièces rouges. Hein. Donc, il faut qu'on fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'on se précipite non plus au niveau des choses. Moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de faire donc tout simplement une deuxième ferme, pas une ferme, un deuxième pâturage. Donc, agriculture. Ouais. Donc, on va faire un deuxième pâturage. Et dans ce deuxième pâturage, on va simplement faire des ailes de poulet. Donc, on va faire du poulet cru. Donc, on va amener du poulet cru à notre marché. Donc, ça se trouve bâtiment, pâturage. Donc, on va faire ça. Par ici, ça va très bien aller. Sélectionner ce qu'on veut faire et vous voyez que ça nous coûte une pièce, deux de nourriture, deux de nourriture, un seau d'eau, 5 secondes et on reçoit en gros un poulet et un élément d'engrais. Vous allez me dire, ok, ça nous coûte, mais regardez bien que lorsque l'on vend de la nourriture, le poulet cru nous rapporte 3 pièces. Donc ça veut dire que en gros, on produit, on va pas dire qu'on produit à l'infini, mais en gros, on produit ce que l'on, le poulet qu'on produit va être remboursé facilement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va repartir sur un élément. Est-ce que par exemple l'engrais, je pourrais le vendre? Est-ce que de l'engrais se vend ici? Je ne crois pas, hein. L'engrais, malheureusement, ne se vend pas. Tac, tac, tac. Alors, ce qu'on va faire encore avant, c'est que pour éviter de faire des fermes, voilà, un peu comme des fermes sauvages, on va faire une ferme qui va nous produire de l'engrais. Celle-ci, je vais essayer de la mettre. Ça m'embête parce que, bon, je pourrais la mettre ici au fond et remonter, ça va aussi. Très bien aller. Alors, bâtiment, on va faire une ferme. Ferme. Voilà. On va pas la mettre trop proche de l'autre, hein, parce que si vous la mettez trop proche, la ferme prend automatiquement aussi les cultures qu'il y a à côté et on va produire du blé de ce côté. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va mettre un bâtiment moulin, de type moulin. Mince. Bâtiment moulin, voilà, qu'on va mettre juste derrière, et celui-ci, on va tout simplement lui mettre une glissière, voilà, entre, et nous produira directement donc du matériel à mettre ici dedans, et celui-ci sera transformé en nourriture pour animaux. On va mettre les petits éléments, donc les petites plaques de pour miner. Et vous voyez que le terrain n'est pas du tout plat. Ça se voit aussi ici derrière du fait qu'il y a des éléments en bois qui ont été posés pour faire support. Alors, est-ce que j'arrive à co corriger le tir pour qu'on soit à niveau? Alors, j'ai l'impression qu'une fois que ça a été posé, les éléments, c'est un peu la M. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche un peu. Est-ce que je peux poser alors des structures? Du genre structure pour en bois, ici autour, pour que je puisse y déposer mes éléments. Agriculture, tuiles. Non, je ne peux pas poser sur un pont des tuiles. Ok, donc ça c'est bien à savoir, mais c'est un peu embêtant.
Bon, c'est pas si grave que ça, hein. De toute façon, au pire, on refera, mais plus tard, les choses bien plus proprement. Voilà. De toute façon, il faut juste que ça nous produise de la nourriture pour l'instant. Ok, donc on va juste attendre que ça commence de grandir, hein. Normalement, le blé va assez vite pour grandir. Et ici, au niveau du marché, vous voyez qu'au niveau du blé, on est vraiment, vraiment limite. Donc, on va faire la même chose ici. On va mettre des plaques à droite et à gauche où on va planter. Ah, bah, j'ai plus de quoi planter. Agriculture, blé, bah, au moins on en aura déjà 6 de plus. Ce sera déjà ça en plus. Ok, donc maintenant. On va faire des. C'est quoi? Toi, loin, toi, loin, toi, loin. Toi, c'est bon, toi, c'est bon, toi, c'est bon. Donc, on va faire des petits chariots. On va faire trois travailleurs chariots. 1, 2, 3. Et on va dire, vous prenez de la nourriture et vous venez l'amener ici dedans. Toi, tu vas prendre de la nourriture et tu vas me les venir ici dedans. Puis toi on attend, toi tu fais rien, toi, on va faire comme ça, pas que vous fassiez rien. Donc ici on va dire tu nous fabriques du poulet et on va mettre comme avant au niveau des bâtiments, on va mettre un puits juste à côté, donc on va le mettre derrière hein, pour pas déranger à droite à gauche. Je vais mettre une personne et je vais lui dire tu prends de l'eau et tu nous la transvases de ce côté. Donc là, il va nous manquer en fait simplement la fabrication de la nourriture. Hein. Et une fois que ça c'est fait, travailleur chariot, le chariot, tu récupères la belle bouffe et tu nous la ramènes ici. Lui avec sa pomme, tu vas venir ici. Et je vais te supprimer, tu ne me sers à plus rien. Et toi, en gros, tu vas prendre les engrais, tu vas me les amener ici dedans. Parfait. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a encore des gens qui font des allers-retours avec des éléments style carotte? Oui. Je veux plus. Toi non plus. Toi non plus. Parce que apparemment, ils ont changé le système. Donc, ça ne nous sert à plus rien d'avoir ceci en stock. Et je ne vais pas m'amuser à les amener du fait que. Les baies rapportent déjà. Ok, donc là, on va continuer d'avancer. Donc là, est-ce que notre poulet se fabrique? À voir, oui, le poulet se fabrique. Donc, c'est-à-dire que là, on commence de consommer donc des éléments. Hein. Donc, on consomme en gros des pièces, mais c'est pas grave puisque pour chaque poulet revendu, on gagne 2 pièces. Donc on a en gros un gain de 2 pièces au lieu de 3. Hein. C'est simplement qu'il faut faire le calcul correctement. Ici, de toute façon, ça produit bien assez. On n'est pas embêté. Donc on est good pour l'instant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est qu'on produise vraiment en bonne quantité. On pourrait faire du cuir, par exemple. Le cuir, vous voyez, rapporte 3 pièces rouges et est de niveau 3. On pourrait ramener aussi le tissu que l'on fabrique pourrait être ramené directement. Ici, non, ça n'a pas envie de produire. On va rajouter encore un chariot travailleur. Chariot, tu récupères ça, tu viens ici. Parce que oui, ça produit, mais pas beaucoup, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ici. Toi, tu récupères le tissu et tu me l'amènes ici. Comme ça, il va gentiment lui nous ramener en fait le tissu en direction du truc. Alors, on va pas forcément avoir un niveau très haut ici, mais c'est pas grave. C'est juste pour les trois pièces rouges que ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais pouvoir faire ici les éléments de métallurgie qu'on va pouvoir mettre à rechercher. On va même mettre les deux. Voilà. Puis comme ça, ils vont faire l'aller-retour.
Et on va faire de la recherche. Donc là, on pourrait encore agrandir, hein. On pourrait mettre 16 maisons déjà, mais on n'a encore pas de quoi faire tout ça. Tac, tac, tac. Le problème, c'est que si j'aimerais faire mes éléments ici, il faudrait que je puisse supprimer pas mal de ressources. Et pour supprimer des ressources, parce que bien sûr, on va en supprimer outils, c'est quand même 10 pièces, hein. Donc, il faut qu'on puisse produire quand même pas mal de pièces jaunes assez rapidement. Alors, au niveau des fruits et légumes, on est à fond. Au niveau du blé, on est à fond. Donc, ça, c'est cool. Au niveau de la viande, pas du tout. Même clairement pas. On va juste checker, voir si ça stocke plus qu'autre chose ici. J'ai pas l'impression. Donc, tant mieux. Bon, ça va quand même 5 secondes hein, pour faire un élément. Et je pense que le temps qu'il fasse l'aller-retour, en fait, ce qui manque, c'est encore un deuxième travailleur chariot. Alors, c'est là qu'on va voir si il serait pas intéressant de mettre une grange. Je vous explique. En gros, je devrais. Ce serait mettre une grange ici en dessous, faire descendre le matériel et récupérer le matériel ici dans la grange. Donc on va faire ceci. Donc comme ceci, on va faire. C'est là qu'on va pouvoir faire ensemble nos premières routes. On tourne. Voilà. En gros, comme ceci. Et il se passe quoi? Alors, on va juste mettre filtre. Pensez à mettre des filtres, sinon vous allez être envahi de tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas le but. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Chariot, maintenant vous allez prendre depuis ici. Alors, je sais plus où tu étais. Je vais te mettre ici. Tu viens depuis là. Tu viens ici. Ok, donc chariot depuis ici jusque là, et on va attendre un tout petit peu. Chariot de là, comme ça il va aller chercher là, et voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe maintenant? On produit en fait à fond, et c'est ici on stocke plus. En gros, on stocke plus de marchandises. La marchandise est automatiquement envoyée. Dans la grange permet d'avoir des immenses stockages de nourriture et ça nous évite en gros de garder seulement 10 éléments ici en sortie. Donc ça veut dire que on pourra stocker, je crois que c'est 4 fois 50. Donc c'est quand même bien mieux et on peut même l'améliorer, je crois, ou bien au début c'est 50 et après c'est 200. Je crois que si on peut l'améliorer jusqu'à 200 éléments. Donc non, il y a de quoi faire, ne vous inquiétez pas, hein. Ok, donc là, on produit. Là, on est un peu en attente. Je ne sais pas comment. J'ai l'impression que ça descend, hein. On n'est pas bon au niveau ici. Donc, on va rajouter quelques tuiles. Parce que, à voir, ça ne va pas suffire si on n'en rajoute pas. Agriculture, blé. Voilà, comme ça on a du blé en plus. C'est dommage qu'on puisse pas poser des éléments de culture sur les ponts. Alors ça m'intéresse de voir si on met autre chose hein, tout d'un coup peut-être. Bloc, si je dis par exemple que je mets pont en pierre, est-ce que ceci pourrait nous permettre de mettre des éléments? Non. Et si on met. Donc si j'enlève ceci, bon, de toute façon je vais les enlever, ça ne nous sert à rien. Si je prends bloc de structure, demi-échafaudage, que je mets ceci ici dedans et que j'essaie de mettre des éléments de culture, on ne peut pas non plus. Ok, donc vraiment la culture, les éléments de culture doivent être vraiment posés sur le sol, hein. J'ai pas l'impression que l'on puisse les mettre sur autre chose.
Je vais encore essayer autre chose, peut-être qu'avec une arche, un arche en bois. Tout d'un coup, éventuellement, ce serait possible. Alors, attendez que j'essaye. Tuile, non. Uniquement doit être placé sur terre. Ouais. C'est bien écrit en bas, en plus, j'avais pas fait attention. Donc c'est un peu plus embêtant. Ok, donc ça, c'est bien à savoir que ça doit bien être posé sur, de la terre, hein, et rien d'autre. On peut pas placer sur autre chose. On va juste un tout petit peu accélérer ici le rythme. Vous voyez, je vais mettre quelques personnes en plus pour travailler. Pourquoi? Parce que on produit pas assez vite et ceci m'embête parce que en fait j'ai les wagons qui viennent et qui repartent à vide ou avec très peu d'éléments. Donc c'est pas le but. Bon, après c'est pas hyper grave hein, non plus, mais quand même. Ok, donc là au niveau, vous voyez qu'au niveau engrais on est à fond, et au niveau viande on l'est aussi. Et donc ouais, c'est un petit peu embêtant. Bon, ça nous rapporte des pièces, on a des pièces rouges. Il est où mon chariot? On va mettre un chariot supplémentaire pour la viande. Travailleur, on va mettre deux chariots supplémentaires. Un qui va nous prendre l'engrais, qui va nous l'amener. Et un deuxième qui va prendre la nourriture, qui va nous l'amener jusqu'à notre marché. Tout simplement. Donc là, on commence vraiment de produire pas mal de pièces jaunes. On va juste checker. Non, c'est pas ça, c'est. Le P production. Donc, vous voyez, on a eu une petite baisse, hein, donc ce n'est pas trop grave. Et vous voyez ici, on a moins 1 plus 4. Donc vous avez les informations sur qu'est-ce qui consomme, qu'est-ce qui ne consomme pas, qu'est-ce qui vous prend. Et vous avez votre petit schéma graphique, là vous pouvez voir pour le rouge, pour et pour tout. Alors. Là, on s'en sort bien. Au niveau de nos recherches, on en est où? Bon, bah, je pense que ce qui manque, c'est du papier. Puis pourquoi on ne produit pas de papier? Parce qu'on n'a pas de bois. Parce que le bois, qu'est-ce qu'il en fait? Il le prend, il le fout là-dedans et même pas. Non, parce qu'il est, il est tout seul. À... Il n'y a qu'un élément qui fait... Ah, ben... Il faut améliorer les maisons. 3, 3, 3, 3, 3. Je peux passer. Non. Niveau 3, je dois pouvoir passer, oui. Voilà. On va passer tout au niveau 4. On a même des maisons qui sont encore de niveau 3. De niveau 2, pardon. Donc on va tout améliorer. Et on va pouvoir mettre des travailleurs supplémentaires. Et là, je vais mettre un travailleur qui part de là et qui vient là. Puisque avoir, c'est le bois qui nous manque hein, pour construire notre papier. Donc on va essayer d'accélérer un tout petit peu le rythme de production de notre papier. Ce serait chouette. Donc on avance gentiment. Hein. Là, on fait les choses gentiment. Et au pire, de toute façon, on a énormément de place où on pourra récupérer et produire plein de choses. Alors, qu'est-ce que nous dit ici notre ferme? Au niveau du blé, on est bon. Au niveau de la viande, on n'est pas trop mal. Donc on stocke un peu hein, du blé, mais c'est pas grave. Au niveau de la viande, ça augmente. Viande, c'est quoi? C'est niveau 3 quand même. Hein. Et au niveau des légumes, on s'en sort vraiment très bien. Ok, bon, c'est franchement cool. Au niveau de notre marché ici, donc on fait du tissu et on fait les planches. On pourrait faire style cuir qui pourrait nous rapporter 3 pièces au lieu de 1 pièce par planche. Et qu'est-ce qu'on fait? Le tissu nous rapporte quand même 3 pièces. Hein. Donc c'est pas dégueulasse. À voir si on pourrait pas. Est-ce que c'est l'atelier qui nous permet, on va juste checker, transformer, retransformer encore une fois le tissu, mais en chemise.
Comme ça nous rapporterait 8 pièces au lieu de 2, 3, je crois que c'est 3, hein, au lieu de 3 pour le tissu. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire encore avant la fin de l'épisode. Donc on va faire travailleur, bâtiment, on va remettre un atelier, on va mettre l'atelier juste à côté. Hein. Et là, on va lui dire, tac, tac, tac. En gros, on va lui dire, tu fais du tissu et tu fais de la chemise. Et on va prendre une personne qui va venir ici. Tu vas nous prendre ceci et tu vas nous l'amener là. L'impression que ça produit presque rien ici, mais c'est peut-être une impression. Bon, par contre, ici, on n'arrive toujours pas à suivre, hein. Donc, on va accélérer un tout petit peu la production aussi ici. Est-ce que ça arrive à suivre? Ce serait bien, c'est qu'on arrive à produire plus que ce qu'on arrive à venir chercher. Ça serait cool. En gros, il faudrait qu'il y ait au minimum presque 8 éléments tout le temps dans. Là, on va réussir à produire plus. C'est bon. Donc là, on est vraiment pas trop mal. Donc, les amis, on va se laisser là. Donc, on aura fait une belle petite avance. Donc, on produit maintenant bien des pièces jaunes. Ça, c'est cool. Bien, bon, on en dépense aussi beaucoup, hein, mais on produit, on commence à avoir une production qui est intéressante. Donc, on va continuer gentiment. Ici, c'est en train de chercher. Donc, bon, ça prend du temps. La métallurgie, ça prend un peu du temps à faire les recherches, mais on va essayer de développer encore la prochaine fois un peu plus notre marché pour qu'on ait un peu plus de pièces jaunes pour pouvoir faire un peu de place et j'aimerais bien pouvoir venir m'installer à une place par ici pour mettre la suite de nos maisons pour qu'on puisse se développer encore un peu mieux. Donc les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à mettre un petit like, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre un petit commentaire si vous avez des petites choses, pensez à activer la petite cloche des notifications et à suivre mes comptes réseaux sociaux, comme ça vous serez au courant des vidéos et des événements à venir. Donc les amis, on se retrouve à la prochaine, ciao ciao ciao!